Bon, attendez avant de commencer là. Il y en a un qui a pas liké et qui est pas abonné là. Alors la mission pour le bar, je l'ai pas fait encore hein, le réapprovisionnement du bar. Mais vu qu'il n'y a pas de jauge de popularité et tout, que c'est un peu fait à l'arrache, je trouve, je le fais pas. Pas envie. En plus il paraît que c'est ultra galère, on m'a dit. Voilà, on modifie la Pegasi Vortex. Les shurikens, très bon choix. Voilà. Ah bah j'ai la session à bug. Bah c'est pas grave, on va livrer la moto. Alors le client il est où? Oh! Juste là. Casse-toi, toi. Non, ça, c'est de la livraison courte comme on aime. Hein. Voilà. Stop, hein. J'adore le rouge et le bleu. C'est vraiment deux couleurs qui se marient à merveille. Voilà. Maintenant, on se barre dans une... Vous avez vu, ils ont... Oh, ah, ils ont mis un nouvel onglet, les gars. Activité de la communauté. Alors, c'est bien et c'est pas bien. Je m'explique. C'est bien parce que du coup ça permet de rajouter du contenu sans qu'eux ils se cassent le cul à faire des trucs. C'est des bons circuits faits par des joueurs. C'est bien, mais c'est pas bien parce que ça fait encore plus d'activités. Et plus il y a d'activités, plus c'est difficile de les remplir. Ouais. Donc moi je lance un course Hot Ring. Parce que c'est encore x3. Je sais pas ce qui se passe en ce moment chez Rockstar. Ils ont dit le Hot Ring on le met x3 3 semaines. Alors je vais tomber dans quoi? Ah ça se remplit vite, ça va. Ouh, ça se remplit très vite même. Jean-Paul Belmondo, c'est un français. Salut Jean-Paul. Salut Jean-Popol. Il va pas répondre. 15 sur 30, est-ce qu'il lance maintenant Jean-Paul? Non, 16 sur 30. Suspense, est-ce qu'on va jouer full? Eh ben on va jouer à 16. Oh ça monte. Ok, on sera à 20. Putain, j'aimerais bien en gagner une. Signe de la victoire. Je m'en fous. Mon rêve, ça serait d'en gagner une, les gars. Je me souviens pas en avoir gagné une. Hot Ring. Stop bumping into my ass. Arrêtez de me taper dans le cul, ça fait mal. Des boules. Bon, fais une belle de boules, toi. Bon. Est-ce qu'on gagne le pactole? Là, il y en a pour au moins 100 000 $ pour le premier, là. Ah, poussez-vous, poussez-vous, bande de gros culs, putain. Merci pour le boost. Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Faire tes queues de poisson, là. Ah ouais, je le connais, celui-là, faut prendre la... Ok. Faut prendre les axels sur le côté large, enfin, je me comprends, quoi. Côté extérieur, quoi. Là, tu prends ça comme ça, et là, tu fais ça. Voilà. J'espère qu'il a pas mis les customs, hein. Oh, il a failli me cogner, lui. Vas-y, qu'est-ce que tu fais, toi? Arrête de me serrer, là. Arrête! Espèce de bolos! Poussez-vous! Allez, je prends l'aspi. Oh le bâtard! Putain! L'autre il arrive de nulle part, j'étais 8ème, putain! Ouais, bah d'accord, c'est mort quoi. Allez, on continue pour essayer de gratter un 10 000 $, c'est toujours ça, mais. En prenant la speed tout le monde, ça peut le faire. C'est votre chat là. Allez Roger, vas-y. On croit en toi. Moi je les rattrape hein. Allez la speed là. Il me faut une aspi. Dernier tour. Ah, vas-y, je prends le virage serré pour voir. Sixième, c'est pas dégueu. Faut que je reste comme ça. Allez, 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 la spi, là, la spi. Oui, 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 oui. Ah, c'est pas fini. Cinquième, c'est pas dégueu, je suis content. Wow, putain. Il a failli me tuer, lui. Pousse pas, pousse pas. Il y a combien de tours? Poussez-vous, poussez-vous, deuxième. Ouais, je suis deuxième. Ah bon?
Aspi, Aspi, Aspi. Ah, c'est mort. Ah, il a mis 9 tours. Comment ça, je suis premier? C'est quoi ça, premier? Vas-y, joue pas sale, toi. Il s'appelle comment, lui? Dawixi OPL. Ouais, je suis dans le peloton de tête, les potes. Si je gagne, il y a un jackpot à la clé, là. Une petite vente de marchandises spéciales, à peu près. Oh, ils ont eu contact avec Elziz. Ok, je suis deuxième. Bah ouais, mais il va prendre la speed des derniers. Bah oui. Ah ouais, je suis niqué, là. Oh, le bâtard, il a sorti même lui. Pourquoi tu l'as sorti? Ah, il y a Binky Binky... Binky Binky Pokémon qui me rattrape. Vas-y, je prends ton aspi au moins. Olé, 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 olé. Tour 8 sur 9. Oh, elle est bien la hot ring. Quand t'arrives à bien te positionner, tu t'amuses. Il va y avoir du contact là, je le sens pas du tout là. Oh, oh, ce qu'il m'a fait lui. Oh là là là, on va se cracher les potes. Putain, c'était sûr. Ah, il me serre. Putain, Swiss, c'est vraiment un boulet, quoi. T'es vraiment un petit Swiss. Putain, la violence de mes propos. Je me calme, hein. Swiss, le petit Swiss, moi, je m'en bats les couilles. Si je termine pas premier, c'est pas grave. On va essayer de faire troisième, déjà. Tu forces, frère. Voilà, dégage un peu. Faut s'imposer, sinon, t'es jamais passé. Ouais. Comme dans la vie, quand on t'emmerde, un moment, si tu gueules pas, tu te laisses faire, et ben, tu, y a rien qui change. À un moment, faut envoyer chier les gens, sinon ils comprennent pas. Ah ouais. Voilà, à un moment, faut envoyer les mecs dans le mur. Oh merde, dommage, quatrième. Dommage. Allez, un petit 50 000. 50 000, je suis content. Oh, le contact. Oh, il doit être deg. Ah, bah, c'est le petit Suisse. Ah bah je sais pas ce qui s'est passé, il était à mon niveau lui. Il a dû se faire bien dégommer, hein. Fin de la course, t'as même pas le temps de terminer. Allez, 50 000 s'il te plaît. Oh, 49 000. C'est juste pour me faire chier pour dire j'ai pas les 50 000. Bon, je suis content, ça vaut le coup de se classer 4ème, c'est bien. Lui il a dû gagner au moins 130 000 je dis. Il a gagné combien? 131 000. Ouais, bah on va dire que... Bah les 4 premiers, les 5 premiers, on va dire, on se fait un peu de thunes, quoi. Les autres, par contre... Ah ouais, aux fraises, hein. Ah ouais. Allez, je like. Non, retour en mode libre. Alors... Ok, on me refait spawn là, quoi. N'importe quoi. Gare commerciale. Oh, la ville est morte. Mets-moi mon Starling. What? Il y a un véhicule garé devant le vendeur de fruits et légumes? Hein, je savais pas. Ah, c'est sa voiture, apparemment, il sort un flingue. Olé. Tu te calmes. Je vais prendre mon Starling un peu et je vais aller boire un verre au vanilla. En Starling, s'il vous plaît. Voilà. Road to the vanilla, les potes. La bise. Oh les petits potes, j'espère que vous allez bien. Bon, je sais pas pourquoi nous on se réveille dans le désert. Je sais plus ce qui s'est passé dans le dernier épisode. Bon, bah, on va demander au hasard Starling GT. Hey, les gars, il y a un bonus de 1 million de dollars à gagner. Mais pour ça, il faut faire plein de trucs. Genre, il faut faire 3 courses de la communauté. Enfin, c'est en tout. C'est, t'as plein de... Ah bon, bref, j'arrête de parler, ça me saoule. Donne-moi un véhicule, là. Pas de véhicule. Tout seul dans le désert. C'est totalement stupide d'avoir mis les appareils aériens dans les véhicules personnels. Je trouve. Arrête-toi, toi. T'es mon seul espoir, toi. What the hell? Dégage de là, ma poule. Alors, le Starling. C'est un veau. Le Phantom FQ2. Véhicule que t'as jamais vraiment envie de conduire, tu vois. Par contre, j'ai toujours pas eu les 500 000 de la boîte. Hein, donc, je commence à croire qu'on se fait douiller. Rockstar, ils nous font courir après des objectifs et on met 3 plombes à avoir l'argent. Ah ouais, faut faire 3 ventes de marchandises spéciales aussi, j'en ai déjà fait une. Ah ouais, non mais ça fatigue, est-ce que ça marche en fait? Les collages, une gare commerciale en cours. Ah ouais, bah attendez, je vais vous dire. Ah, y'a Velu qui dit hello. C'est hello, hello, si, zizi. Ah, ils sont déter hein, avec leur gare commerciale. Ils veulent la livrer, je sais pas où la caisse. Déter le mec. Oh, Andy, comment il a fait pour livrer 2 biens de gare commerciale? Ah, il a un pote qui l'assiste. Il a dû le buter.
Ah ouais. Alors, c'est sur moi que ça shoot. Oh non, j'ai pas envie de la faire, la guerre commerciale. On va faire autre chose. Vous allez chercher mon Elegy. Non, mais en vérité, avant de faire quoi que ce soit, il faut que je regarde ce qu'il y a en promo. Comment on atterrit là? J'atterris. Allez, atterrissage rapide. Voilà. Voilà. Si tu veux. Bon, de toute façon, le truc est super solide. Hein. Voilà. Profitez de gains bonus. Contestez l'email. Doublé pour les clubs de motards dans les défis, les missions de contrat et de QG de défi. Gain doublé dans la première mission de vente. Mais ça, on l'a déjà vu, ça. Ouais, c'est ta première. Mais oui, on l'a déjà vu. Bon, attendez, les gars. Charge mon téléphone. Alors, 200. Ah, le réacteur qui a pété. 200 000 $ pour tous les joueurs qui participeront à 3 épreuves de la communauté. 300 000 $ pour ceux qui ont joué à GTA 9 durant l'événement Spring Quest Cola. Donc je suis censé les avoir ceux-là. 250 000 $ en effectuant une vente de marchandises spéciale. Donc ça je l'ai fait, je devrais l'avoir aussi. Donc déjà là il me manque 1 000 000 $ là. Parce que j'ai les 500 000 aussi de la semaine dernière qui m'ont pas été crédités. Et encore 250 000 $ si on en fait 3. Donc là il me manque 1 000 000 $. Je devrais être à 4 millions quoi. Vas-y, je veux bien tenter les épreuves de la communauté, mais ça marche pas. Vas-y, on va tenter. Oh là, oh là. Voilà. Oh, qu'est-ce qu'il veut, Velou? Pourquoi tu viens là, Velou? Lui, il veut m'écraser, c'est obligé. Alors, les épreuves de la communauté. Allez, on se met en attente, on verra bien. Bon, tuez-moi. Mais voilà, moi, je veux bien faire les trucs de la communauté, mais ça marche pas, là. Y a personne. Moi, faut que ça se lance du tac au tac, sinon ça m'intéresse pas. Donc, tu sais quoi, je vais appeler ma Elegy, je vais la custom. Elegy RH8. Non, vous voyez, 1 minute 20, c'est bon. 1 minute 20, ça marche pas, donc voilà. Donc le truc des épreuves de la communauté, ça va pas être évident de le faire. Hein. Alors, qu'est-ce que tu veux, toi? Attends, je vais aider la police. Oh, merde. Ah, bah maintenant, c'est moi qui veux l'arrêter, bah. Bon, bah, vas-y, là, qu'est-ce qu'on fait, là? On perd du temps, je sais pas quoi, là. Je sais pas ce qu'on fait, là. C'est de sa faute à lui, là. Voilà, c'est équilibré. Et les gives obé. Oh, je sais plus quoi. Bon, allez, on va voir si on peut faire un petit tuning. Je me donne une enveloppe de 300 000 $ pour tenir la Elegy, pas plus. Je suis obligé de rationaliser, hein. C'est comme l'électricité, hein, comme ils ont dit. Hein. Faut pas. On n'a plus d'électricité, donc. Faut pas dépenser trop, hein. Ça va couper. Hein. C'est pareil, là. Hein. Et j'ai plus d'argent, donc. Faut que je rationalise. Ouais. Allez. 300 000, on peut bien faire un bon tuning. Non, mais je préfère la Elegy de base que celle qui est modifiée par Beniz, moi. Vitre. Voilà, là, il me reste 295 000. 295 000, là, il me reste 245 000. 245 000, là, il me reste 205 000. Allez, on a rendu à 5 000, il me reste 200 000. Je mets les freins, le moteur. Là, il me reste à peu près 165 000. Le moteur, il me reste 130 000, à peu près. Voilà, il me reste 130 000 pour une peinture. On va y arriver quand même, rassure-moi. Bah en noir elle est belle mais bon c'est trop basique. Bah en blanc elle est belle aussi hein. Oh bah je sais pas quelle couleur mettre. Bleu diamant c'est pas mal ça. C'est pas du blanc, c'est pas du bleu écume. Oh je sais pas. Oh j'ai pas d'idée. Attendez j'ai oublié un truc. Hop. Donc il me reste à peu près 100. Voilà avec la fumée noire il me reste 100 000 $ pour la peinture. J'aurais été raisonnable. Donc faut que j'ai de l'inspi qui arrive. Faut que je trouve une couleur. Oh y a des primes partout. Wow. Oh merci modeur. Vas-y moi j'en veux une. Oh là il y a moyen d'avoir le tuning de ma Elegy gratuit là. Et de une. Attends on va aller là-bas, on va plutôt aller sur les gars AFK. Merci. 10 000. Il est où là le mec? Ok lui il est en god mode, on se casse. Là il y a un gars qui s'appelle Trains. Il a quitté. Bon bah on aura eu 20 000, c'est déjà pas mal. Ah il y a Vargas Satan. Voilà, Vargas Satan. Plus 10 000. Normalement, voilà, plus 10 000. Tout droit, là. Il y a John Smoke. Merci, John Smoke. Allez, hop, 40 000. Mais non, mais velu, mais... Oh, velu en MK2, quoi. Ah non. Vite. Apporte-moi un Sparrow, là. Il y a de la prime. Oh, j'aime quand les modeurs, ils font ça. Ça devrait être un event. Rockstar devrait y penser, ça pourrait être un jeu, tout le monde a une prime.
Bon, Rockstar, ils vont te mettre une prime de 5000, évidemment, parce qu'ils sont radins. Alors toi... Ah ouais, mais toi, t'es en god mode, c'est vrai. Là-bas, il y a du peuple. Vargas Putain, Vargas, c'est vraiment une merde. T'es vraiment une petite merde, Vargas. Voilà, Vargas, tu pues la merde. Petite merde que tu y vas. Bon bah rip, hein, rip les primes, on les aura pas, y'a des MK2 qui s'en mêlent. Regarde-moi ça là, il fait le fier là. Oh la chance. Ouais voilà, je t'ai eu. Je peux peut-être m'en profiter pour taper la prime qui est au Los Santos Custom. Voilà. Super molle il s'appelle lui. Ce pseudo. Allez, va à l'hôpital, meurs. Meurs. Ça va, t'as pas l'impression de tricher? Ah voilà, enfin. Plus 10 000. Voilà, voilà, ça remonte. Imagine griffing with mods. Je griffe pas avec des mods, c'est à moi qui parle lui.